Bonjour et bienvenue sur la chaîne Roche 57 Racing. Nous voici dans une Clio 4, 900 cm3, 90 mètres turbo. Voilà. Mais un peu de luminosité, ça ne te dérange pas sur le tableau de bord. Voilà. C'est une boîte 5 ou 6 ? 5. Ah d'accord, d'accord, très bien. Elle a un petit essai comme ça, on va voir. Hein. Une bonne voiture, hein. Elle est de 2018, hein, c'est ça? Oui. Essence. Essence. Tu mets du sans-plomb 98 dedans ou du 95? 95-10. Ah ouais, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ah ouais, ouais. Et t'as pas de lumière derrière, hein? Non. Bon, ben voilà ce que vous voyez derrière. Eh, désolé, il fait nuit un peu, il fait pas très jour. Oh, c'est quand même une manière d'être une bonne voiture. T'as le mode éco ou quoi? Ouais. C'est quoi les pièces que t'as? C'est de la vache. De la vache. Ah, j'allais dire de la mâche. Là, fais gaffe, il y a un virage. Ça glisse. Ah ouais, ça tourne sec. Hein. Ouais. Tu peux aller à droite si tu veux. Là, c'est une longue ligne droite de 3 km. J'ai juste un virage là au fond. Sinon, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la voiture là? C'est une belle voiture. Hein. Tu t'appelles comment? Marine? Bah, Marine. Et approximativement, je vais te dire le prix, mais ça vaut à peu près quoi? Ça vaut... Celle-là, elle coûte 19 000, presque 20 000. Presque 20 000. Ah ouais, ouais. Et tu l'as acheté d'occasion, c'est ça? Non, neuf. Neuf? Ah, modèle 2018. Mai 2018. Mai 2018, qu'est-ce qu'elle a comme option? Présente un peu la voiture, je sais pas. Bah écoute, clim automatique, GPS, l'écran tactile, tout ça. Voilà, après. Ah, c'est l'écran tactile? Ouais. Ah ouais, ouais. Vitre électrique, à l'avant, à l'arrière. À l'arrière aussi? Ouais. Mais c'est une 5 portes ou? Ouais, 5 portes. Ouais. Ah, j'ai pas vu, c'est une 16. Ah ouais, bonne voiture hein. Sinon, qu'est-ce que tu racontes d'autre sur la voiture? Est-ce que t'es content avec? Moi j'adore les feux. Les phares, ouais. C'est des feux LED. Ouais, des feux à LED, voilà. Ouais, qu'est-ce qu'elle a? Elle a le radar de recul arrière? Ouais, voilà, c'est ouais. Ça. Ouais, régulateur, arrière. Limiteur. Voilà, exactement. Radar de recul avant-arrière. Après, elle a les feux à LED. 5 portes, attache remorque non? Non. Ah bon, bon, ça va. Toujours tout droit. Et prendre toujours tout droit. Allez, vous filmez un peu, voilà. Un peu, ça va. Pas de voiture, hein, franchement. Et dans les réglages, est-ce que tu peux régler les trucs sur la voiture ou rien du tout? Bah, ça dépend quoi. Hein. Non, mais les trucs, les paramètres par rapport au moteur ou rien du tout? Non, pas par rapport au moteur. Non, ça, c'est dans les RS. Ah ouais, d'accord. Et je crois qu'il existe aussi des options pour le bruit, non? T'as pas pris ça? Non, moi j'ai pas. T'as pas. Non, malheureusement. T'as pas, d'accord, ouais. Et sinon, vitesse maximum, tu estimes à combien à peu près? Bah moi j'ai fait 195. Ouais, sur autoroute allemande, hein? Voilà, c'est ça. Voilà. Il te reste tous tes points? Oui, tous. T'as quel âge? 20 ans. Et t'as quoi le A ou pas? Non, je l'ai plus. Ah, d'accord. Donc t'as fait ton permis à 18 ans? C'est ça. Voilà. Ah, oui, d'accord. Et quand tu t'es accompagné? Quand tu t'es accompagné? Oui. Et t'as roulé quoi comme voiture? Avant? Alors, j'ai fait la Twingo 1. Ensuite, les premières générations, alors, d'accord. Voilà, c'est ça. Et ensuite, la Clio 3. Ouais. Et après, bah, celle-là, la Clio 4. Ah oui. Et Clio 3 aussi, elle était neuve ou? Non, elle était d'occasion, elle avait 9 ans elle avait. C'était quoi, un diesel ou un essence? Diesel, oui. Ah d'accord. 70 chevaux. Et actuellement t'as juste le véhicule là, t'en as pas d'autre? Oui voilà, j'ai que celui-là. Et ça c'est une essence alors, oui. C'est ça. Et ça consomme beaucoup ça au niveau consommation? Non, ça va, bah là j'ai un peu tapé dedans, je suis à...
ça va être litre 5. Mais bon, après, faut dire, il y a le chauffage. Bah, encore heureux, sinon ça caille un peu dehors. C'est sûr. Et sinon, en consommation réelle tout le temps, avec un plein, tu fais quoi? Déjà, c'est un réservoir 45 litres. Alors, ça, c'est l'inconvénient, parce que c'est pas assez, quoi, 45 litres. Ouais. Voilà, donc sinon, je peux faire, on va dire, 500, 600 km. Ah oui, bah ça va. Bien souvent, je suis à 5 litres, 5, 6 litres de moyenne. Et t'as l'air habitué à la caméra, toi. Tu te filmes souvent, quoi? Non, pas du tout. Ah, ça va. Est-ce que t'as, je sais pas moi, des trucs Instagram ou YouTube ou Facebook? Bah oui, hein. Où tu veux pas donner, c'est comme tu veux. Hein. Non, mais je veux bien donner, moi ça me dérange pas. C'est parce que ça sera sur internet, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Oui, tu mettras dans les commentaires. Dans les commentaires? Dans la description. Ah oui, description YouTube, oui. Après, tu peux le dire, hein, si tu veux. C'est comme tu veux, après. On va voir ça. Hein. Après, je vais aussi vous la filmer un peu de dehors, hein, après, bien sûr. Voilà, ça c'est l'extérieur de la voiture. Phare à LED, phare arrière à LED, et avant, non? Et avant. C'est des jantes de combien de pouces, ça? 16 pouces. 16 pouces? Ouais. Là, c'est bien, ça. C'est quoi la couleur de la voiture? Du noir étoilé. Oula, je connais pas. Noir étoilé. Ah oui, bien, bien, bien. Ah bah. Comme ça, on voit mieux. Eh oui, oui, oui. Ah, c'est, ça a l'air de... Je te laisse ouvrir le capot. C'est le faire, je pense. Hein. Donc c'est un 3 cylindres, 900 cm3. On voit rien. Tu j'allume? Ouais, si t'as le flash, ouais. Ah oui, là c'est un petit cylindre. Hein. Oui, hein. Ça a été cramé ou brûlé? Hein? Ça c'est cramé, ça. Ça a été mangé. Ah, par les bestioles? Ouais. Oula, t'as déjà eu des soucis ou non? Non. Ah, c'est pas mal. Et le turbo, il est là-haut. Et là. Oui, oui. Bon, c'est bonne voiture. Bon, on peut retourner à l'intérieur, ça caille. C'est sûr. Donc vous avez pu voir la présentation extérieure de la voiture. Bon, j'ai fait une présentation rapide, après c'est... Voilà. Donc dis-nous, Marie, qu'est-ce que tu voulais comme autre voiture? Une Clio 5, éventuellement. Elle est déjà sortie? Elle sort en mars 2019, du coup. Mars 2019? Voilà, c'est ça. Ah, ah ouais. Au niveau du prix, on est quoi? Ah, ça, je sais pas encore. Un diesel ou en essence, tu restes? Essence, je reste en essence. En plus puissant? Voilà, 120 chevaux, ça serait bien. Et pourquoi pas une RS? Oh, trop cher. En occasion? Non, en occasion. Ah bah dans ce cas-là, faut attendre longtemps. Hein. Bon, alors une Clio 4 RS occasion. Ouais. Pourquoi pas? À voir. Bah oui, hein. Après, c'est à vous de me dire. Oui. C'est à vous de pousse quand même. Hein. Et au rupteur, t'es à combien de tours minute? 6-7000. Ouais, voilà. Faut quand même un peu freiner, il y a des sons, tu vois. Et oui, malheureusement. Et c'est quoi les haut-parleurs? C'est quoi la marque? Basse réflexe. Tu connais ou pas du tout? Non, je connais pas spécialement, mais c'est un bon son, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien, très bien, très bonne voiture. Et... T'as les rétro-rad bottom? Ouais. Électriquement? Électriquement. C'est... Là. Ça marche plus. Si, c'est là. Voilà. Et t'as pas de lumière derrière, non? Non. Ça, c'est le miroir. Voilà. Abonnez-vous à ma page YouTube, à ma page Facebook Roche 57 Racing, YouTube et sur ma chaîne YouTube Roche 57 Racing. Avance un peu. Je fais un petit démarrage. Ah ouais, avance un peu. Il y a un truc de mouvement, vas-y, c'est vrai. Ah, tu pars, tu pars. Ça poussif, hein. Allez-y, allez-y, allez-y.
Le chameau, t'es passé là. Ouais. Le dromadaire ou je sais pas ce que c'est. Le chameau peut-être. Poussez, poussez, accélérez, vous pouvez y aller. Bonne voiture. On est correct. Et c'est une 5 places ou 4 places? 5 places. Ah, ça va, ça. Après, au fond, je tourne à la droite, là où il y a la voiture là. Et petite présentation de Clio 4 essence. Et t'as une carte ou t'as quoi? Ouais, c'est une carte, ouais. Et tu l'as dans la poche? Voilà, c'est ça. Et ça marche à distance? C'était... Non, c'est là. Ça marche à distance, la carte? Voilà, oui. C'est ça qui est bien. Et si tu laisses la voiture allumée et tu pars, avec la carte dans la poche, il y a quelqu'un qui te la vole, ça se passe comment? Normalement, il me semble que la voiture ne doit pas avancer vu que la carte ne sera pas détectée, quoi. Ouais, elle va caler au bout d'un moment. Je sais pas comment ça se passe. Faudrait essayer d'ailleurs. En tout cas, il y a un message d'alerte comme quoi la carte présente dans le véhicule. T'as déjà fait beaucoup de kilomètres depuis que tu l'as? Ouais, ouais, pas mal. Je l'ai depuis mai et j'ai fait 16 740 kilomètres. Et là, elle a? Bah, elle a 16 000. Ah oui! Ah oui, je l'avais à 0 km, ouais. C'est là, à gauche, hein. C'est là où il y a la voiture. Après. Bon, ben voilà, les amis, fini la vidéo. À bientôt sur la chaîne Roche 57 Racing. Un petit peu d'envoi. À bientôt!